C'est pas moi-même en qualité d'avocat, c'est pas vous-même comme journaliste qui est victime de lui, mais c'est toute population. Hein. Quand on ne peut pas amener petit à l'école, parce qu'il n'y a pas le vélo. C'est tout le monde qui est en prison, qui besoin de juger, qui passe dans la prison, qui gagne 10-15 ans, alors que le tâche de peine contraventionnelle de 6 mois à 3 ans. Et tout le monde a coupé derrière barreau. Depuis près de 10 ans, juridiction tribunal première instance, pas de surtout, il n'a pas fonctionné. Et le ministre de justice qui l'a tantôt a demandé à la population pour le courant, manchette au Kébé Lambéo, pour un outil, pour le bail sécurité à eux-mêmes, c'est pour montrer que, c'est pour vous dire que l'État n'a pas existé encore en Haïti. Parce que si le ministre de justice en tant que autorité placée pour mettre l'ordre et puis pour garantir la sécurité du peuple, l'imande à peuple là pour faire légitime défense. Et légitime défense, vous connaissez qui ça veut dire en droit. C'est-à-dire, c'est voyer, ministre, envoyer nous à longueur interne. C'est-à-dire, citoyen, prêcher citoyen, citoyen, jeune garçon, pas qu'à marcher dans aucun bon corps, côté le café, l'autre monde parle comme manger, ou peut-être qu'il va le conseiller gang. Et bien, c'est pour ça, je vous dis là, via ensemble de paroles, de magogues, paroles cochues, ça y est. La parole cochée ça yo, qui nous dénonçons ça yo, et bien nous-mêmes, avocats, en tant que dernier rempart de la société, nous aussi nous ne pas camper pour dire non à gendre mode d'action ça yo, c'est-à-dire pays à abnéer l'homme nous. C'est pour ça matin, nous camper là, nous baillons à l'aide à l'ensemble d'autorités ça yo, qui administrent et dirigent pays, qui prétendent qu'il n'y a pas d'administrer et dirigent pays pour changer physio d'épaule. Et si on pas fait ça, dans les jours qui viennent, nous, ces avocats, c'est vrai, nous avons réserve sous ensemble des mesures, mais nous sommes obligés de passer à l'action. Et là, dit passer à l'action, pas mal d'autres choses capables de faire. Merci. La presse nous réserve le temps pour nous, au fur et à mesure, pour nous battre, pour nous suivre l'évolution, mouvement pendant aujourd'hui. Là. Présent sur le devant. Pourquoi tous tes collègues avocats ont dit qui viennent dans la rue là encore une fois pour la deuxième fois? C'est que c'est un constat que nous-mêmes, en tant qu'avocats, que nous faisons. Nous constatons qu'il y a à peu près de 3, 4 ans, par exemple, 6 criminels qui viennent dans la juridiction de Port-au-Prince. Et nous constatons tout, près d'une année que la justice a pris. C'est que nous déconnons par la justice et sur le bicentenaire, cause insécurité, les courriers qui étaient bicentenaires, les talents dans la section 6 de logée, et sortir dans la section 6 de courrier là. Et condition infra-humaine que le commissaire ou bien le justicier travaille là, bon. Et nous-mêmes, en tant qu'avocats, justement, problème de blocage à la justice, il pose causer préjudice avec le fonctionnement. Parce que il y a un pile de bagaille. Et qui pouvait le mettre en place là, lui-même a fait. Donc, il va voyager sur le système judiciaire là pour voir comment il a fonctionné, pour regarder pour voir est-ce que le système judiciaire là a fonctionné dans le bon état. Donc, c'est que nous constatons qu'il y a un blocage systématique de l'appareil judiciaire et nous disons les bagages sont arrivés, ils font contre avocat. Nous-mêmes, avocats, nous disons non. Nous demandons quelle équipe en place sa responsabilité, nous demandons quel ministre de justice sa responsabilité, quel aspect de responsabilité pour débloquer la situation. Merci. Nous, les avocats fédérés des 18 juridictions du pays, nous avons certaines revendications. Nous voyons tout simplement, nous sommes là dans un but bien déterminé, puisque nous voyons que le pouvoir en place
l'équipe gouvernementale ne prend pas ses responsabilités pour pouvoir non seulement garantir nos droits à la liberté, nos droits à l'insécurité, à la sécurité. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour dire tout simplement non, c'est inacceptable. Nous nous réunissons pour dire à la presse et la société en général, les groupes organisés, de se rejoindre à nous de manière à ce que nous fassions tout simplement un faisceau pour faire ce qui est nécessaire pour revendiquer nos droits. Parce qu'il y a un principe, pour pouvoir prévaloir nos droits, il faut que les tribunaux fonctionnent. Il y a près de 10 ans depuis que les tribunaux ne fonctionnent pas. Et maintenant, nous posons la question à savoir, est-ce que le ministre de la Justice sait tout simplement ses attributions? L'attribution est fixée par le décret du 30 mars 1984. Parce que nos droits les plus fondamentaux sont violés. Et nous ne tolérons pas cette situation de fait. Voilà, à travers les rues de la capitale, on kidnappe les gens et on les incarcère quelque part, on les séquestre. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour dire non, non au kidnapping, non à l'insécurité. Et je crois que tout simplement, puisque le pays est bloqué, nous demandons tout simplement à l'équipe gouvernementale de débloquer d'abord le pays. Et si l'équipe gouvernementale n'est pas en mesure de débloquer le pays pour que les citoyens puissent faire prévaloir leur droit de laisser le pays, pour que des gens capables puissent faire ce qui est nécessaire, parce que ça, c'est pas possible. Nous sommes dans un état de droit, l'état de droit où le droit doit être prévalu. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour non seulement demander à l'équipe gouvernementale de prendre ses responsabilités pour sécuriser les gens à travers les rues, pour sécuriser la République, pour sécuriser le territoire de manière à ce que les Haïtiens puissent vaquer à leur activité, à leur occupation. Parce que nous sommes maintenant dans une situation inacceptable. Parce que nous ne pouvons pas circuler, nous ne pouvons pas mener nos activités sans, avec quiétude. Parce que là, ceci est intolérable. Cette situation de fait, nous ne le tolérons pas, nous ne l'acceptons pas. C'est la raison pour laquelle nous, les avocats, nous sommes là non seulement pour dire non, et pour demander à l'équipe de prendre ses responsabilités, dans le cas contraire, de partir pour pouvoir laisser l'espace aux personnes capables pour permettre la sécurité revienne dans le pays. Pour permettre non seulement nous ayons une vie agréable et pour que nous circulions correctement de manière à ce que nous ayons une vie normale et acceptable. Ça merci. Pour nous, les CSPJ et les mouvements appareils de justice n'ont pas certifié pour autant toujours siéger dans l'appareil de justice. Non, ce qui est important, c'est que je dois vous dire, il y a près de 7 ans, 8 ans, 10 ans depuis que la justice est dysfonctionnelle. Est dysfonctionnelle. Nous ne parlons pas du dysfonctionnement de la justice. Parce que là, le sujet principal, c'est la sécurité. Le sujet principal, c'est de permettre et la sécurité revienne. Nous pas dit ça, nous sommes avocats, nous-mêmes, nous pas là pour nous dire mais qui est-ce qui doit être à bord côté, mais qui est-ce qui va doit être. Nous-mêmes en tant qu'avocats, nous là pour nous dire, pour nous garantir droit et tout prévenu, tout le monde qui est en situation difficile. C'est pour ça nous là. Même mission pas nous en tant qu'avocat, nous pas là pour nous juger qui est-ce qui doit siéger, qui est-ce qui pas qui doit siéger. Ça c'est travail CSPJ, c'est travail ministère de la justice. Nous même nous pas là pour nous prêter du droit sur qui que ce soit. Nous même nous là en tant qu'avocat pour nous défendre droit monde qui est en situation difficile. C'est pour ça nous là. Depuis 6 ans en tant qu'avocat, nous pas qu'à vivre, nous pas qu'à circuler. Tout le monde dans pays a ouais ça. Hier m'a entendu sur radio qui se yo groupe métier campagne, il y a 3 mois en grève et ceci c'est hier finalement, je prends 26 000 gouttes. Comment on va comprendre après 6 ans d'études et un social fait 7 ans. Pour faire 26 000 gouttes, qui ça 26 000 gouttes qui a fait pour mon être un jour? Même là, on a mangé 1000 gouttes, c'est 20. Comme vous parlez pour manger pour 26 jours, qui a 26 000 gouttes qui a fait pour nous? Oh, c'est qu'on a eu reste pour le bayol. Nous même avocats, nous jeunes avocats, nous pas de réserve, nous pas de cas, nous pas de machine, nous pas de ça fait nous demander pour le ministre de justice à déranger pour débloquer la situation, pour l'activité reprendre. C'est pour débloquer pour tout le monde qui a circulé, pour le monde qui a passé Matissan. De la mesure où, et c'est ça nous dit, si toutefois, sécurité, pas qu'à garantir nos pays, c'est que l'autorité la donne. Si l'autorité ou pas la donne,
c'est que yo pas en mesure pour garantir sécurité des monde. Si yo pas ka garantir sécurité des monde, yo pas camper derrière sécurité, c'est pour yo retirer quoi pour monde qui capable faire li. Parce que avant yo, li était bon, après on li doué puis bon. C'est mission de avocat pour dénoncer. Nous pas prêter dans ça. Nous pas prêter monde qui pas capable faire pour retirer quoi pour monde faire. Mais comme avocat, nous demandons pour nous justice de bloquer Matissan et nous t'attendons de ministre dit son territoire qui perdu et nous t'attendons de comme ministre dit que li pas arrêter à monde et nous demander sécurité. Comment nous parle nous préparer. Excusez, ça c'est une déclaration d'impuissance. Autorité ou pas là pour constater même avec tout justiciable. C'est ça que fait nous dire, si vous n'avez pas de sécurité, c'est pour vous résoudre. Si vous n'avez pas résoudre, vous n'avez pas de sécurité, vous n'avez pas de capacité. Et si vous n'avez pas de capacité, c'est pour vous tirer la rue. Alors, la presse, nous constatons pas de président élu. Nous constatons pas de sénateurs et députés. Nous constatons pas de magistrats élus à travers les mairies de la République. C'est seulement le Premier ministre Ariel Henry, le chef du gouvernement, qui est responsable de donner la sécurité à tous les Haïtiens sur tous les territoires détendus et nationaux. Nous constatons que la justice est dysfonctionnelle et ceci depuis des années. Et ça m'a dit, nous constatons la presse, même dans la juridiction de Port-au-Prince, depuis 2018, baguer au siège criminel avec assistance des jurys qui organisait. Ça veut dire la justice dysfonctionnelle. Et ceci sur toutes les 18 juridictions du pays. Donc nous autres avocats, nous commençons pour nous dire non, nous ne pouvons pas accepter. Donc le pays a fonctionné comme ça. La justice élève d'une nation et nous demandons l'équipe gouvernementale là. Nous demandons le ministre de la justice pour prendre des dispositions pour organiser sécurité qui c'est un endroit de liberté chaque citoyen gagné pour que la justice fonctionne, pour que les prisonniers qui coupent dans la prison à travers tout le pays pour juger. Donc nous avons demandé donc pour CSPJ avec M. Justice, M. Ariel Henry comme c'est le président, c'est qui tout bagarre le pays pour ok pour yon bail les juges d'instruction au moyen pour yon travail. Mes amis, combien de fois on monde pas jamais passer devant juge lui dans délai constitution la loi bail. Donc c'est ça la demande aujourd'hui là. Nous demandons bon fonctionnement de la justice, nous demandons pour que responsabilité pouvoir pour yon chita avec paquetier yo greffier yo pour yon prendre des dispositions pour que le résoudre, pour mettre sur établir sécurité dans le pays. Nous même avocats, nous baguer l'autre pays. C'est ça la demande. Nous demandons un changement dans le système judiciaire. Nous disons qu'il faut que sécurité. Donc, que monsieur prenne disposition pour que la justice fonctionne, pour les gens qui sont en prison, accès à la justice. Je dis à nous aussi, mais qu'ils sont à quoi qu'elle lié. Car ensuite, il y a des gens qui ont arrêté pour être devant le juge. Je dis à quelqu'un qui a 2-3 mois, oui, à travers la vie commissariat. Donc, ne parlons pas pour la prison civile. Donc, c'est ça la demande, le bon fonctionnement. Et nous autres, comme avocats, c'est des professeurs. Et nous demandons faut que le pays fonctionne nous-mêmes pour être capable de fonctionner. Nous demandons parfaitement. Il y a pile prisonnier qui mourit dans la prison. Et dans tout commissariat, et prisonnier pile sous pile. Nous avons accoupé, c'est full fourmi. Donc nous demandons pour la justice, dit un mot pour prisonnier qui mourit dans toute prison. Donc, et il y a des prisonniers qui après les 10 mètres là, nous pas capables encore, nous pas capables encore faire, nous pas pété, nous pas manger, nous pas bread l'eau, même l'eau pas joindre puis au bread. Donc nous demandons la justice et spécialement CSPJ dit un mot pour prisonniers yo, commissaire qui en grève pour le moment, prisonniers mourir sous condition, greffier en grève, pas de monde qui connaît ça pour yo faire. Nous demandons grâce pour prisonniers yo, c'est moun yo et tout, yo gen souffle même j'en compte tout le monde. Nous demandons grâce pour yo, des monde qui t'a mérité faire 3 mois. Il fait 304 ans. Des gens qui t'a mérité 6 mois, il fait 5 ans, 10 ans. Donc nous demandons grâce pour nous, que vous mettez la situation en condition pour être capable d'améliorer les prisonniers, puis vous jouez le moyen pour vivre. Nous ne pouvons pas dire en pile, c'est ça seulement que nous avons dit. Merci. Là.